Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Dark Souls. Dans l'épisode précédent, nous étions arrivés jusqu'ici après avoir traversé de fond en comble des lieux désemparés, une catacombe, des archives bibliothécaires. Bref, on s'est battu contre des magiciens, etc. Donc on est tombé dans la petite forêt et je vous avouerai que de ce que je vois, c'est qu'il y a des petits bébêtes de cristaux un peu partout. Mais on va... Ouais, ils sont partout. Ils sont partout, on va juste faire gaffe. On va juste faire gaffe à ne pas se faire avoir par cela et à esquiver correctement. Oh. Voilà. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe, les amis. Là, je suis chaud, là. Hein. Là, je suis chaud. Hein. Ça fait une demi-heure que je parle avec mes abonnés de la banque, comme quoi c'est chiant. Donc, alors, je suis quasiment sûr que... Par ici. Saut. Ennemi volant. Ok. J'ai réussi à sauter dessus, mais ça servait à rien en fait. Donc, du coup, c'est compliqué. Eh, hey, salut à toi, Enix. Dans d'autres pays que la France, le Coca-Cola est moins cher que l'eau. Bah, écoute, go Coca-Cola, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi, dans ce cas-là. On est obligé, hein. Paris-Bruxelles, c'est 3 à 4 fois le prix de la base. C'est pour ça que c'est aussi cher, parce que c'est Paris-Bruxelles. Purée, mais moi je savais pas. Moi j'arrive, je pensais qu'une bouteille d'eau c'était partout pareil, hein, moins d'un euro. Hein. Mais apparemment non, pas du tout. Hein. Un chocolat chaud. En plus ça dépend de l'endroit où tu le prends. Le chocolat chaud, il est bon ou il est pas très bon. Ça dépend des endroits. La capitale, c'est plus cher. Ah, d'accord. Où est-ce que j'en suis? Alors, pour te dire la vérité, je ne sais pas du tout où je suis. je suis, on va dire, le flow du jeu. Alors, là-bas, ça ressemble à être un gang. Tu sais, vous savez, un peu comme quand vous allez au lycée. Et il y a toujours un gang de gens avec des scooters, etc. Là, bah, c'est eux, là-bas. C'est eux. Tu sais, c'est le genre du style. Si tu t'approches un peu trop près, ils vont te venir et te demander ton téléphone ou une cigarette ou... Ou je sais pas quoi, tu vois. Et enfin, hey mec, hey, t'as pas un euro? Hey mec, hey, viens, vas-y, viens. Hey, viens par là, je dois te parler, frère. Un truc comme ça. Ça, c'est le gang des... au lycée, là. Je me rappelle encore. En général, il faut les éviter, ces bonhommes. Hein. Il faut pas trop s'approcher d'eux. Hein. Faut éviter de se faire avoir. Parce que bon, c'est pas ouf. Hein. Continue tes vidéos et fais un doigt aux critiques. Oh, mais j'ai pas vraiment de critiques, en fait, Zerion, ça va. Hein. Et en général, si j'en ai, je supprime. Bah oui, écoutez, moi j'aime bien un espace commentaire bien, tu vois. Quand quelqu'un m'insulte, en fait, je supprime direct. Et j'ai demandé à Omodo de faire pareil, tout simplement. Donc du coup, je le vis très bien. Donc, tu sais, genre les gens te crachent dessus, mais toi t'es comme ça. Toi t'es comme ça. This is fine. Personne ne me crie dessus. T'as pas 1500$? Pourquoi 1500$? Pour faire quoi? Le gazole, c'est moins cher que l'eau en station d'essence, alors que, soyez logique, buvez du gazole. T'es con, toi. T'es trop con. T'as mis combien de tries sur Ornstein et Smurf? On a testé ça 3 fois, je crois. 3 ou 4 fois, je sais plus. On l'avait fait en vidéo, on rappelle. Ouais, j'espère, hein, je me rappelle plus. C'est des gens qui critiquent qui feraient même pas la moitié. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tribunal, t'es banni ici. Ouais. Par contre, on parle de tribunal des bannis, mais il y a des demandes de Dunban que Tease m'avait envoyé, et c'est insane en fait. Les gens, ils ont. Mais quel menteur! Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi ils mentent? Hein, pourquoi ils mentent? Un sandwich jambon beurre à 8€. Damn. Si tu aimes les murs illusoires, tu vas aimer des S2 où il y a plusieurs murs différents avec chacun leur interaction pour le révéler. Sérieux, il y a pas juste, il faut pas juste taper dedans, il faut faire... Oh là là, ça va être... Dark Souls 2, en fait, va être quelque chose, je pense, hein, disons, quand on va y aller. Hein.
Tu n'as pas un live cuisine à faire? Si, Seb, totalement. Mais je sais pas quand je vais le faire, mais ouais, j'ai un live cuisine à faire et je vais vous montrer comment faire du rogaille saucisse. Ça va être génial. Un live à ne pas rater. Ah, il m'a fait mal. Ah, il m'a fait très mal. Dark Souls 2, c'est la difficulté incarnée, non? Bah déjà, le 1, c'est pas très facile, mais apparemment, le 2 et le 3 sont pas trop loin derrière aussi. Après, le truc, c'est que les Dark Souls, si vous regardez bien, si vous prenez votre temps pour bien faire les choses, le jeu n'est pas si dur que ça. Il est dur uniquement si tu fais pas attention. Bonne chance. Bonne chance. Ah, j'aime pas quand on me dit bonne chance, moi. Pourquoi il y a des cristaux partout, là? Alors, j'ai 20 000 âmes. Est-ce que c'est le moment où on doit juste... Genre, ce moment où tu commences à glisser sur la géométrie parce que... Eh ben, parce que c'est pas très bien fait au niveau de la géométrie. Bah tu chies un petit peu dans ton... Hein. Je sais comment faire du rogail. Moi j'écris pas comme ça. C'est R-O-U-G-A-I-L à La Réunion. Par contre, la gare 20 euros, le petit gâteau, c'est abusé. Ouais bah ça. Tu sais ce que tu vas chauffer du cul. T'imagines Dark Souls 2 avec un tapis de danse. J'ai vu un mec faire ça. J'ai la chance, hein, parce qu'il aurait pu me toucher. Là, il aurait pu me toucher, parce que j'ai pas esquivé. Techniquement, j'aurais dû le prendre dans la goule. Et c'est pas arrivé. Bon, je sais pas pourquoi je suis venu ici, parce que j'ai vu qu'il y avait un truc. Bon, alors, est-ce que je retourne au feu de camp pour monter de level? Je pense que oui, parce que j'ai peur de ce qui se cache là-bas. Et en plus, c'est un endroit ici qui est plutôt sympa, parce que comme vous pouvez le voir, on peut farmer ces bestioles. Elles sont pas très dures à battre. Et elles donnent beaucoup d'âmes. Elles donnent 2000 par kill. C'est plutôt pas mal. Je suis malgache. C'est un peu du Madagascar. C'est un peu du malgache. Du Madagascar comme langage. C'est pas très français, tout ça. Ouais, c'est mieux, hein. Moi je kiffe, tu m'en tu préféré car tu fais du contenu de rêve. Je sais pas c'est quoi le contenu de rêve pour toi, mais en tout cas merci. Hein. Merci à toi en tout cas. Bon du coup je retourne ici. Hop. On passe au niveau supérieur. On va augmenter la force. Allez. Non, allez. Non, soyons fous. Augmentons l'endurance. Non parce qu'on n'en manque jamais l'endurance. On ne manque que la force. Et j'ai pas besoin de plus de force. Je suis très bien comme je suis. Donc on va faire ça comme ça. Il me reste déjà 8000. Malagasy. Chut. Dazzle. Là on a trigger Dazzle. Alors mon déménagement se passe très bien. Je suis installé depuis un mois là maintenant. On a déjà bougé toutes les choses. J'ai juste à... Il y a 2-3 trucs que je dois encore déménager qui sont encore dans mon ancien appart. Et démonter mon studio pour le remettre ici, forcément, pour pouvoir avoir un meilleur son. Parce que là, pour le coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que le son, il est pas plutôt pas mal, mais il pourrait être mieux, quoi. Ah non, c'est 1200 et pas 2000, d'accord. Autant pour moi. Ah. Si je me fais toucher, je meurs. Mais si je le touche avant, il meurt. Il est pas mort. Parce qu'il faut savoir que j'ai l'anneau qui rend super fort lorsqu'on est à bas level. Bas PV. Là, comme j'ai pas beaucoup de PV, mes dégâts sont décuplés, tu vois. Du coup, si tant que j'arrive à ne pas me faire toucher par l'ennemi... Je lui fais masse de dégâts. Comme vous pouvez le voir là, il a quasiment perdu toute sa vie. En deux coups, il est mort en vrai. Rogaille saucisse, trop simple, fais un carré biche. Hic ! Putain, pourquoi j'ai lu le chat ?
Le nouvel appartement fait 71 mètres carrés, si je me trompe pas. Je suis parti vers le chat, je suis mort. Là, en fait, c'est ça en fait qui est mortel dans ce jeu, c'est quand tu es pas attentif. Dès que t'es pas attentif, c'est foutu. Hein. Il faut rester concentré, constamment, et ne jamais quitter les ennemis des yeux. Jamais. Non, les saucisses, c'est emblématique, quoi, je veux dire. Et de toute façon, je mange pas. En fait, je peux pas faire je peux pas vous présenter un repas que je ne mange pas. Et je mange pas Bichy, j'aime pas. Donc du coup, je n'ai pas appris à le faire. Par contre, les saucisses, c'est mon repas préféré. Et en tant que repas préféré, c'est sûr que je sais le faire. En tout cas, je sais faire mon relais saucisse, parce qu'il y a plusieurs types de relais saucisse. Rougail boucané. Bon, c'est pareil, rougail saucisse, rougail boucané, c'est la même chose. Ça se fait pareil, hein. Les drifts des yeux pour lire les coms et fixer les ennemis. C'est ça en fait. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de lire les coms. Vous voyez, il est pas dur à battre. Juste que je me suis fait bolos quoi. Bon allez, on va aller voir c'est quoi le truc en bas parce qu'apparemment c'est écrit bonne chance. Hein. Donc du coup, il y a des chances que l'ennemi soit très 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 dur. J'ai jamais mis l'anneau de pierre l'arme rouge, j'avais trop peur de mourir avec toutes mes armes. Et j'aime pas quand j'ai ma barre d'HP est assez basse. Bah j'aime pas quand ma... Mais en fait c'est tellement un sacrifice, c'est tellement... Je trouve que ça se... Je trouve que le sacrifice vaut le coup. Pouvoir battre un ennemi en 3 coups au lieu de lui donner des coups, le taper. Et là tu le tapes en... Merde. J'ai glissé apparemment. Le personnage, j'ai avancé tout seul vers le bord. Fuck. Comment tu fais des jeux d'horreur en rigolant? Bah parce que je m'imagine. Parce que c'est même pas que j'imagine, c'est que je me vois. Donc du coup, j'ai mon retour sur le côté. Je vois comment je réagis à certains trucs et du coup, ça me fait rire. En fait. Mais sinon. Hop. Sinon, en soi, les jeux d'horreur, ouais, c'est... Pas tous les jeux d'horreur me font rien. Il y a des jeux d'horreur qui sont vraiment, vraiment hardcore. Il y a des jeux d'horreur qui sont vraiment trop hardcore pour moi. Et qui me font vraiment très, très, très peur. Il y a des jeux d'horreur qui sont ridicules. J'en ai fait beaucoup, beaucoup de jeux d'horreur ridicules. Et les jeux d'horreur hardcore, on les connaît. Hein. Welcome to the Game, pour moi, par exemple, c'est quasiment impossible. Hein. Il me fait vraiment trop peur. Il fait trop peur, et c'est pour ça que je le finis pas, hein, parce que ce jeu me fait trop peur. Je stresse de ouf, si tu meurs, tu recommences depuis le début, enfin c'est horrible. Si vous voulez un jeu qui fait vraiment flipper et qui est énervant au possible, c'est bien Welcome to the Game 1 et 2, quoi. Tu rigoles à toi-même, en fait. Je rigole de mes conneries, en fait, ouais. Si ça me fait rire, il y a des chances que ça fasse rire quelqu'un d'autre, tu vois. C'est ce que je me dis. Aïe, ça fait mal. Vilain, va. Donc je me dis ça, en fait. C'est-à-dire, si j'arrive à rigoler de mes conneries, il y a des chances que d'autres personnes peuvent en rire. Et ça me donne envie de faire la vidéo, tout simplement. Voilà. Bon, alors. Ok, faut que j'aille à droite. Hein. Non, parce que si tu vas trop sur le banc, ça glisse. Hein. Si tu vas trop sur le banc, ça glisse. Faut que je passe par là. Ok. Allez, saute, vas-y, saute. Non, saute pas. Non, saute. Non, saute. Bah, saute, quoi. Oh.
Oh, il a fait un percute, il se prend pour un boxeur. Il se prend pour un boxeur. Oh. Boum. Il s'est pris pour un boxeur, le mec. Il arrive, il fait des petits sauts en arrière et tout. Hypercute. Pop, pop, gauche-droite, même, tu sais. Eh, les gars, il vit bien. T'as un air de Vito Corleone ces temps-ci. C'est-à-dire. Ah, parce que j'ai rasé ma moustache. Liane n'est pas débile. Non, elle est pas mal, Liane, en vrai. Hein. Emilio en souplet, en fait, la seule raison pour laquelle je n'ai pas fini le jeu, c'est parce que j'ai perdu la sauvegarde. Et que j'avais pas envie de me retaper tout le jeu pour avoir une sauvegarde, tu vois. Pourquoi ça fait des petits bruits Pourquoi il y a le boss de la forêt qui est là en mode ennemi normal? Ah, comment je monte là-haut, moi? Oh là là, tant de questions existentielles qui se posent à moi à 13 ans! Ok, d'accord. Je crois qu'il faut que je fasse un saut pour récupérer ce truc-là. Ou je me laisse tomber. Je sais pas. Ça craint un peu, si tu veux, mon avis. Ah, clairement, je peux pas. Hein. Si je l'attaque, je vais glisser. Hein. Comment les mecs, ils ont réussi à faire ça dans le vide? C'est un bug. Je vais mourir si je fais ça. J'ai l'impression qu'on peut marcher là. Passage droit devant. Oh boy. Ça, c'est vraiment le... le passage. Passage dérobé. Ok, il a avancé tranquillement, lui. Comment faire pour passer? Bah, attends que les fantômes passent et tu verras si c'est bon ou pas. Je suppose que les petits trucs qui tombent, en fait, me permettent de voir justement si c'est bon ou pas. Oh, le con. Languette au moment! Le coup de pied, putain! Mais c'est pas possible, ce jeu! Lui, il faut que je le tue. J'ai eu peur. Ouais. C'est bon, j'ai... Je vous avouerai que j'étais pas serein sur la petite roulade que j'ai fait. J'ai rien droppé du tout. Oh boy, oh boy. Et combien qu'il y a une blague. Est-ce que... Si jamais... Ah... Ah... J'ai des cailloux. J'ai des cailloux, les amis. Oh, fais pas un pas de côté comme ça, s'il te plaît.
Ça fait tellement peur que ils ont. Oui, ils osent. Les gens, ils osent. Transforme-toi en Super Saiyan. Il y a des cyclones. Oui, il y a des cyclones, Kal-El. Pas en ce moment, mais il y a des cyclones à l'arrivée. Il y a des cyclones. Ça arrive. Est-ce que. Il a fait le coup de pied, putain. Il a fait le coup de pied. Il va m'énerver, hein. Concentration puis YOLO. Ouais, c'est ça. Je me suis dit que... Tant qu'à faire. Et j'aime bien, c'est que les trucs là restent, apparemment. Les petites lumières que j'ai mis là. Ça reste. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas ça le chemin? Mais en fait, je pourrais aller là-bas normalement. Ah, bordel! Mais ça glissait, mais en fait, fallait forcer. Fallait forcer. Alors, je peux traverser par là-bas. Est-ce que ça sert à quelque chose de tuer ces bébêtes? Ok. Je vais regretter tout ce que j'ai fait. En même temps. Oh! Oh! C'est bon! Merci à toi pour ton. Merci pour ton groupe, ton raid, Shironami. Merci énormément. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon live de ton côté. Essayez droite. Pourquoi pas gauche? Ok. Et après? C'est bien beau tout ça, mais après. Billy! Comment tu vas? Je t'avais pas vu, Billy! Mon poulet, faut qu'on se revoie une session de l'horreur avant. Oui, t'inquiète pas. Oui, alors oui, clairement, Billy. On va se prévoir un petit jeu d'horreur, toi et moi, là. Un truc qui fait vraiment peur. Peut-être que le jeu de fantôme qu'on avait découvert avec Andy, peut-être qu'il pourrait te plaire. Parce que c'est comme Phasmo, donc tu connais déjà. Mais un peu plus effrayant, quoi. Oui, c'est le boss papillon de Norsouche, il y en a plein partout. Alors que normalement, c'est un boss, tu vois. Alors, oh, salut, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très bien, merci. Ah, toi, tu parlais pas avec moi. Je ne peux pas rester, je vais me faire vacciner. Ok, très bien. Bon courage. Et rip le bras gauche ou droit. Je sais pas lequel va partir pour toi. Ok. Alors il va où lui? Il va là-bas. Et il continue. Toi, t'as fait quoi? Toi, t'as continué tout droit. Il est parti à droite. Et après, il est parti à gauche. Il est parti ici. Et il est tombé! Ah! Ok, il est tombé comme ça. Hein. Alors, c'est une mort un peu violente. Hein. Les plateformes dans ce jeu sont dégueulasses. Et ils m'ont fait marcher sur des plateformes invisibles. Vous êtes sérieux là? Le jeu n'a aucun respect. C'est ça? Comment ne pas se tromper? Suivre les spectres. Et sauf que... Pour le coup... Ok. Mais il est mort comment lui? Il est juste mort. Je pense que ça arrive. Hein. Ah, ici, je peux... Tu veux une pizza ou un McDo? Je peux pas avoir les deux. Pourquoi je glisse? Ah, damn it. Ce jeu va me faire péter un câble.
Tout à l'heure, j'ai réussi à marcher sans problème. J'ai réussi à marcher sans problème. Et... J'ai la chance d'avoir ces pierres avec moi. Ils sont quand même salauds hein, d'avoir fait un labyrinthe. Un labyrinthe. Dans le. Invisible. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de voir en fait le sol là, même s'il est invisible, avec une sorte de technique, un bouclier, une bague ou une connerie du genre? Ouais, on s'appellera Sweet, t'inquiète. De toute façon, il faut que je fasse plein de vidéos, moi, donc du coup, de mon côté, donc tu vois. T'inquiète pas. Je te colle, bébé. Dans le vide intercinéral. Ouais, intercinéral, ouais. Je sais pas trop comment tu dis ça, mais ouais. Est-ce que si je balance. Attends. Qu'est-ce que je peux balancer? Est-ce que les flèches. Eh, j'en ai. J'ai combien? J'ai 300 flèches avec elle. Non. J'ai 300 flèches. Est-ce que si je prends mon arc. Ok. Prendre un arc normal. Si je prends mon arc, je le mets à deux mains et je fais. Ha ha! Ah. Trois 300 flèches qui vont y passer, les amis. Les flèches disparaissent vite. Ouais, mais bon, c'est quand même une solution. Je dois retourner au texte. Ah. Ben voilà. Chute à proximité. Mmh. T'inquiète même pas, frère. Par ici. Par ici. Ah. Confiance règne. J'ai eu peur. Par ici. Merci les gars, merci. Attends, merci à tous ceux qui ont mis ces aides là. Franchement, je suis fier de ces gens là. Je suis fier de ces gens-là. Ils sont sympas quand même, hein. Ils sont super sympas, hein. Faut le dire. Essayez que. Oh non, il y a un truc avec une queue. Hein. Oh. Oh, il y a un autre. Il y a un truc qui brille là-bas, mais il y a des trucs devant. On va pas aller là-bas tout de suite, hein. Ça fait un peu peur. On va te laisser galérer. Nice. Je prédis prochainement ta mort, c'est du spoil. Oui. Si tu prédis ma mort, c'est du spoil. Enfin, sauf si je le lis pas. Du coup, ça rapporte combien d'âmes, en fait, les petites fées, là, hein?
T'es passé à côté de deux lézards. Je suis passé à côté? Ah bah je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Du coup, tu sais, si j'ai pas vu... Oh mon dieu, ce truc... Ce truc est dégueulasse. Ce truc est vraiment dégueulasse. Ah. Il peut pas être des gens qui sont prostrés ici. Ah! Ah! Boss! Ok. Donc là, mon personnage il est classe hein, avec sa toge. Hein. Ah, mais c'est machin l'écorché! J'avais oublié que j'étais venu pour lui! C'est vrai qu'il m'avait tué la dernière fois. Fait! L'écorché! Tu n'as même pas de patte en bas. Juste pour ça, tu mérites de mourir. Oh boy! Essayez la queue, ils ont dit. Mais il a plein de queues! Il a plein de queues! Et le truc derrière va me tuer, non? Oh boy! Oh boy! Allez, tue les trucs pour moi, toi! Allez, vas-y! Aïe! Ah oh, ben, il m'a tué. Je sais pas ce qu'elle peut faire, mais je vous avouerai que j'ai pas trop confiance. Oh, il est juste là! Je vois ça en vue pour la première personne! C'est horrible! Ouh! Sif! L'écorché! Viens! Ok. Oh, c'est quoi ça là-bas? Je vais voir la lumière! C'est quoi cette lumière? C'est tout pété! Oh! Oh! Ah, oh, il a pas la roue. Merde! Merde! Allez, go, 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 Cyrus, go, coupe sa queue! Mais laisse pas te couper la queue! Oh boy. Il me laisse pas couper sa queue, je veux couper sa queue, moi! Aïe! Ça m'a fait mal, ça? Ça m'a encore mal? Ça m'a fait mal. Ça empoisonne, ça. Allez, go! Oh mon dieu! Oh bah, pardon. Par contre, paye tes dégâts. Oui! Allez, laisse pas te couper la queue, monstre! Oh putain, je vais péter un câble! Je vais péter un câble! Je vais d'un câble. Bon bah écoute. Reste plus qu'à hein. Salut Ragnar. Écoute, ça va très bien. Enfin. Ouais, ça va en vrai. Il va venir ? C'est vraiment un coquillage, genre une sorte de moule géante. Oh! Oh!
Mais c'est mieux même. Oh, c'est même mieux encore de les tuer. Je suis obligé de les former maintenant. J'aimerais bien loquer l'ennemi, s'il te plaît. Ah, l'enfoiré. Ouais, tourne-moi le dos, par exemple. Ah, ça la stun, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Regardez, c'est un coquillage géant avec des crânes de, dans sa bouche. Et il drop des pierres de purge. Le lock, il est, ouais, il est dégueulasse, hein. Genre, j'essaie de locker, ça marchait pas. J'y arrivais pas. Le bouclier du sang, ça réduira la malédiction. Je sais pas si j'ai un bouclier du sang. Putain, le coup de pied. Je vais envoyer un message d'insulte au développeur de Dark Souls. Je vais juste envoyer un message d'insulte au développeur de Dark Souls. Putain, mais c'est pas possible, ce putain de coup de pied. Mais je ne voulais pas faire de coup de pied à ce moment précis. Si j'avais fait juste une attaque normale, il serait mort. Allez, cours. En fait, c'est le prix de ta maison exprès, en fait. J'ai pas pensé que c'était géant. Je vais donner le prix de ta maison. Voilà, t'es pas content? Pas mon problème. Ah, il est pas content. Wouh! Ouais, respecte son corps, tu vas voir, c'est Ross. Respecte son corps, c'est bien. Il est mort avant moi. On est mort en même temps. Non. Oh mon Dieu. Match nul. Salut, Takemichu. C'est la première fois que tu me vois en live. Bah, écoute, bienvenue à toi. J'ai combien d'âmes? Bah, pour le coup, j'en ai que 1200 puisque je suis mort. Mais je sais pas combien d'âmes il y a sur le cadavre. Putain, j'arrive pas à le loquer. Allez, attaque-moi. Attaque-moi. One shot pas, s'il te plaît. One shot pas. One shot pas. One shot. Il m'a. Oh! Mon dieu. Bon, alors, on va aller se téléporter ailleurs. Hein. Je crois que j'ai pas le choix que de retourner. Non, pas ici. Retourner. Je sais même pas c'est où ça. Ah, c'est bon, je suis au bon endroit. Et c'est parti, mon kiki! Pas par là. Pas par là. On va aller là-bas. On va leur montrer de quel bois on se chauffe à ce magnifique boss. Et on verra bien de quel bois on se chauffe. Attention. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre. Non, je vais pas me mettre en humain pour ça, non. Ça sert à rien.
Ah, les bons vieux souvenirs, hein, t'as vu? C'est ça. Le coquillage. Oh my wa, Shindelu. Ouais, combien d'âmes j'ai raté, genre 20 000, je suis sûr, non? Sur un dragon comme ça, là, c'est au moins 20 000, non? Au moins. Allez, on y va. Je vous avouerai que je suis pas serein. Hein. Parce que ça change toujours rien, il me one-shot toujours, il faut juste que j'arrive à le tuer avant qu'il me one-shot. Ça va pas être facile. On va voir si j'arrive à l'attirer là-bas. Et reviens ici, dans ta maison, là! Reviens! C'est ici que tu es... C'est ici que tu es né! Et c'est ici que tu vas mourir! Je te préviens! Décharge incessante! Tu vas goûter. Voilà! Bienvenue. Il a tapé deux fois au même endroit, c'est pas juste. Il y a moyen de save spot sur ce jeu. C'est quoi save spot? C'est quoi ça veut dire? Oh boy. Vous savez quoi, je vais vous faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais attendre qu'il m'attaque. Je vais l'attaquer. Oh bordel, qu'est-ce que ça fait du bien! Vous vous rendez pas compte? Mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais d'une force! Seros ne sait pas comment réagir. Mais oui, parce que je l'ai tryhard ce boss. N'oublie pas l'heure, t'inquiète pas, j'ai mis un réveil, Seb. T'inquiète pas. Mais OMG, oui, oui, c'est effectivement, après avoir fait un combat comme ça, tu ne sais plus comment réagir. C'est clair. Clair et net. Oh purée, 20 000 âmes, let's go, je vais les dépenser tout de suite. Vas-tu refaire Outlast? Non, je ne pense pas.
Je vais probablement garder Outlast pour des justement des événements charité, etc. Je t'avouerai que je ne sais pas. Il y a... Le jeu est dur, en fait. Le jeu est très dur, tu vois. Et je me tape déjà Dark Souls, là, et j'ai encore plein de Dark Souls à faire, donc je sais pas si j'ai envie de tryhard encore plusieurs fois, tu vois. On va mettre tout ça en endurance. Son sarcasme m'a fatigué. C'est quoi? J'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors, j'ai refait Outlast en psychose et j'étais presque à la fin. C'est plus simple qu'on le croit, à part le Wall Rider à la fin. C'est plus simple qu'on le croit. Alors, j'ai fait 4 essais sur Outlast Psychose. C'est pas simple, hein. Non, non. Si tu te fais choper, c'est fini, t'es mort. Si tu te fais choper une fois, c'est fini. Il est revenu, il a largué un fouton sur les âmes perdues, il a mangé un bon. Ah ouais, d'accord. Ils sont nombreux quand même, hein. Quand tu sais où aller, c'est simple, faut juste connaître le pattern. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Sinon, tout le monde pourrait le faire. Je recommence au bout de 10 minutes. Oh, mais il est méchant, lui. On dirait un gars dans... On dirait un gars dans Bleach. Il va me faire un bankai. Oh là. Bro. Ah. J'ai eu peur pour rien. Il a fait pouf. J'ai eu peur pour rien. Oublie pas Seros, t'as la hallebarde du chevalier dragon. Tout va bien avec cette arme. Il ressemble à un boss. Non, ça va. Ça va. La hallebarde du chevalier dragon a en plus un bonus contre les démons. Donc du coup, je pense que c'est la meilleure arme pour cet endroit. Il me semble, en tout cas. Moi, je suis en New Game Plus 2, je suis bloqué sur les 4 rois. Donc c'est là où je suis, non? C'est pas vers les rois où je vais, là? Ah, c'est les ennemis de base d'ici! Ah, ils sont nombreux. Bonjour, les démons! Vous allez bien? Ça, c'est quand t'arrives, en fait, dans un quartier que... dans lequel t'as rien à faire, tu vois. Et t'as les gens du quartier qui te regardent un peu en mode... Bro, tu vas prendre cher, gars. Les 4-3, c'est dans la nouvelle Londo avec les fantômes. Ah, d'accord. Burke, les fantômes. D'accord. Essaye de discuter. Bonjour, je suis venu pour un pourparler. Il veut pas pourparler. Oh, je fais le one shot. Ah, ça va, en fait. Allez, venez à moi. J'ai le temps pour les attaques. J'ai le temps. J'ai pas le temps. Bien sûr, le dernier, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr que le dernier, il allait me défoncer. Bien sûr que le dernier allait me défoncer, tu vois. T'avances bien, et d'un coup, d'un seul, pouf. Et bah, t'avances plus. Négociation échouée. Ouais, c'est un peu triste, hein. Je pense qu'il faut... Oh. Merci Phoenix. Salut, comment ça va ce matin? J'ai déjà 20 mois d'abonnement, ça se passe tellement vite, je suis content de t'aider comme ça. Merci à toi. Merci beaucoup Phoenix, c'est très gentil. Où est-ce qu'il a appris à négocier comme ça? Comptes-tu faire du cop sur Dark Souls? Non. Non, non. J'ai juste... En fait, comme...
comme défi, en fait, je dois terminer les 3 Dark Souls. Mais ouais, je vais pas jouer en coop ou quoi que ce soit. Non, c'est Dark Souls celui-là, Théo. Ils sont nombreux, hein. Ils sont gros, hein. Mais je crois que c'est worth d'aller là-bas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un par un, les gars, un par un. Allez, viens. Wow. Ça lock pas, putain. Merci. Merci, Kazé, pour les 100 bits. Et moins 1. Plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, vous êtes 6. Je suis tout seul. Venez tous en même temps. Allez, ramenez-vous. J'ai pas le temps. Lock ça. Oh, j'ai raté. Oh, j'ai raté. Là les gars, vous êtes 5 maintenant. Et moi je suis tout seul. Je pense que les chiffres commencent à s'arrondir. Hein? Tu veux venir? Allez, venez. Ah oh, bah tous ensemble, allez, bah oui, soyons fous. Oh boy. Oh boy. Là je vais prendre cher. Je vais prendre cher. J'ai pris cher. Allez, let's go, baby. Il marche dans la lave, le con. Mais ils m'ont suivi dans la mort, c'était ma strat, les amis, c'était ma strat. Ils étaient là en mode, ouais, c'est Ross, il est tombé. Bah, ils sont tous tombés, voilà. Ma strat, les amis, elle marche très bien. En vrai, c'est une bonne strat. Mais oui, parce que de toute façon, les gens, de toute façon, ces bestioles, là. Elles respawnent pas. 200 IQ, toi-même, tu sais. Voilà, je pourrais récupérer tranquillement les objets ensuite. IQ over Night Island. Night Island. C'est Ross Speedrun. Oh, on n'a pas le temps, Christ. On n'a pas le temps. 10 000 IQ, toi-même, tu sais. Ils sont passés là-dessus. C'est ça le pire. Dans cette histoire. En deux coups, c'est bon, c'est mort. Correctement, tout va bien en vrai. Donc là, là maintenant la question c'est, est-ce que je peux marcher dans la lave ou est-ce que ça va faire bobo? Ah, ça fait bobo. Oh, ça fait grave bobo. Oh mon dieu, ça fait bobo. Oh, c'est pas possible. En plus j'aurais aimé remonter. Préparez-vous les amis, regardez ça. Regardez-moi ce speedrun. Je vais vous montrer le speedrun de l'année. Après tu vas me dire, ouais mais en speedrun les mecs ils passent pas par là. En fait j'en sais rien. En speedrun ils passent par là ou pas? Merci pour le stream. Oh, y'a pas de soucis, merci à toi de suivre le stream. Est-ce que si je prends le raccourci, genre je fais ça. Merci pour le sub, Mr. Pius, c'est gentil.
Les gars, c'était un bon raccourci, ça, non? Mais c'est quoi ces nouvelles bestioles? Ah ah. Mais c'est l'enfer ici! C'est l'enfer! C'est l'enfer, mais je vous jure! En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ma compagnie, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ça vous a plu de me voir mourir et de me plaindre pendant 2 heures. Et du coup, on va recommencer dans le prochain épisode. Quant à vous, je vous retrouve donc très prochainement dans une prochaine vidéo. Et si jamais le cœur vous en dit, de me retrouver sur mes lives sur twitch.tv/Seros. Voilà, je vous fais des gros bisous. Seros, out.